Koh-Lanta, le feu sacré, qui est Julie Debevez, footballeuse de la Coupe du Monde de 2019. Julie Debevez fait partie des 20 candidats de cette édition de Koh-Lanta 2023, le feu sacré. Âgée de 34 ans, l'aventurière est une footballeuse professionnelle. Elle avait notamment été sélectionnée pour la Coupe du Monde de 2019. Enfin, après des mois d'absence et de patience, Koh-Lanta fait son grand retour sur TF1 ce mardi 21 février dans une toute nouvelle saison. Comme lors du Totem Maudit, c'est aux Philippines que se déroule cette édition de Koh-Lanta. Le feu sacré. S'il a fallu plusieurs mois à la production pour trouver le lieu du tournage. La société a également tenu à miser sur des profils très différents au niveau des aventuriers. Tous les milieux culturels, socio-professionnels sont représentés. On a un fromager, un conducteur de métro, une éducatrice canine. Il y en a une qui a envoyé sa candidature à 14 reprises. Et même 20 fois pour un autre, expliquait Denis Brognard dans les colonnes du Parisien. Et certains ont mis toutes les chances de leur côté pour participer au jeu, comme Nicolas qui a suivi une préparation très drastique. Mais aussi Martin qui a tout plaqué pour vivre sa passion ou encore Christine. La mère de famille qui a remporté 6 marathons. Impossible également de ne pas évoquer Elena. Que Denis Brognard connaît très bien puisqu'elle a participé à Ninja Warrior en 2021 avec son frère. Kenneth. Je ne regrette en tout cas pas d'avoir tenté l'aventure. Et si j'ai l'occasion de refaire Ninja Warrior, je me préparerai sans doute différemment, avait-elle confié à l'époque. Mais une autre sportive a décidé de participer à Koh-Lanta, le feu sacré. Il s'agit de Julie Debevez. Célèbre footballeuse qui évolue au poste de défenseur au FC Fleury 91. Âgée de 34 ans. Cette candidate originaire de Marcq-en-Barœul a participé à la Coupe du Monde de 2019. Et non, elle n'est pas un cœur à prendre. Julie Debevez est en couple avec son ancienne coéquipière Regina Baresi. Comme confirmé sur son compte Instagram sous une publication pour le mariage de son frère. C'est elle qui nous a pris en photo, a-t-elle répondu à un internaute, qui lui a demandé où était passée sa compagne. Afin de participer au tournage de Koh-Lanta, le feu sacré, Julie a décidé de mettre sa carrière dans le football en pause. Mon club m'a donné la possibilité de réaliser mon rêve. Ça aurait été très différent si j'avais eu 23 ans. Là, à 34 ans, je suis sur une fin de carrière. Potentiellement sur mes 6 derniers mois. Donc le discours a été très différent. Et le club a été très attentif à ce rêve que j'avais depuis longtemps. A déclaré l'aventurière auprès de West France. Une candidate au caractère bien trempé. Qui ne se laissera pas marcher sur les pieds.